Bonjour et bienvenue sur lamagiedesetangs.com. Alors moi, je m'appelle Marika Lemay, je suis votre coach en créativité depuis presque 12 ans. Donc aujourd'hui, je vous partage des petits trucs pour créer cet ensemble de cartes-là de façon économique et aussi qui va vous aider à bricoler si vous n'avez pas beaucoup de temps ou pas beaucoup d'énergie. Alors j'ai entendu un commentaire d'une de mes clientes cette semaine qui disait: ah, je crée pas assez, j'aimerais ça pouvoir créer plus, mais quand j'arrive du travail le soir, je suis trop fatiguée. Donc, je me suis dit, c'est quelque chose qui est quand même assez commun. Moi, je vis avec de la fatigue et de la douleur chronique. Donc, j'ai développé des petits trucs à travers les années. Puis je sais qu'il faut adresser ce sujet-là parce qu'on est plusieurs, dans le fond, à ne pas mettre ça à notre menu parce qu'on se sent trop fatigué. Et puis, ben, dans le fond, souvent, on se pousse pendant toute la journée pour faire notre journée, puis quand on arrive au soir, on n'a comme plus d'énergie. Donc, il faut vraiment, quand vous êtes capable de mettre ça dans vos priorités, et quand vous ne pouvez pas le faire, j'ai des petits trucs pour vous aujourd'hui. Alors, premièrement, ça serait de choisir vos couleurs. Vous voulez travailler dans quoi? Et avec quelles couleurs? Et souvent, de limiter notre palette, ça peut nous aider, comme ici. J'ai cerise carmin, vert olive et pépites de chocolat. C'est ma base. Donc, ça m'assure de ne pas trop m'éparpiller. Ça m'enlève un casse-tête, si on peut dire. OK? Deuxième chose. Si vous voulez que ce soit de façon économique, vous dites, ça c'est un autre commentaire que j'ai entendu. Ah, mais là, il y a plein de beaux lots dans le catalogue, mais j'ai pas eu moyen de toutes les acheter. Puis, bon, mais bref. Si vous voulez que ce soit économique, une chose, vous utilisez soit du papier design que vous avez en stock, parce que je sais qu'il y en a qui en collectionnent beaucoup. C'est le temps de le sortir. Pour vos arrière-plans, il n'y a rien de plus rapide que de coller un papier design. Deuxième chose, sortez vos étampes d'arrière-plan qui sont neutres et qui font pendant toute l'année. Par exemple, ici, Hardwood, c'est très, très, très winner pour tout au long de l'année et c'est le fun en particulier pendant Noël. Donc, ça pourrait être aussi un plioir à gaufrage. Vous allez simplement gaufrer un carton. Ça fait un super bel arrière-plan sans vous demander trop de temps. Et puis, avec ça, ça vous permet d'aller vous acheter un nouveau jeu du nouveau catalogue des fêtes, comme celui-là, Bouquet de Houx, qui est très économique, qui peut nous faire des très belles cartes rapidement avec un vœu de grosseur moyenne, deux plus petits, et ces étampes-là ici qui sont à... Et c'est comme 5 étapes, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6 étapes. Et celles-là, elles vont ensemble. Donc, on a une étape, deux étapes, trois étapes, quatre étapes. Alors, je commence tout de suite. Premièrement, si vous dites « j'ai pas beaucoup de temps le soir, je suis fatiguée », vous allez commencer par décider vos couleurs. Vous décidez votre jeu d'étampes. Donc, vous avez déjà en partant à peu près ceci. OK, pour les couleurs. Alors, mes couleurs de départ, c'était vert olive, cerise carmin, pépite de chocolat. J'ai été chercher une plus pâle pour le rouge et une plus pâle pour le vert. Donc, j'ai déjà sorti ça. L'autre étape, ça serait de dire... Bon, ça m'a peut-être pris 5-10 minutes, déterminer mes couleurs, qu'est-ce que je veux, quel jeu d'étampe je prends, tout ça. Si vous avez une autre petite période de 10 minutes... à une autre prise dans la journée ou dans la semaine. Vous laissez ça sorti et vous allez sortir vos cartons. Déjà découpez vos pièces. Vos embellissements vont être choisis. Et vous allez laisser ça comme ça. Ça va vous permettre l'étape suivante d'aller étamper. On arrête ça là si on n'a pas plus de temps, pas plus d'énergie. Et puis finalement de monter vos cartes. Mais ce que je vous dirais, c'est que quand on commence pour un 5 minutes, on est fatigué, on n'a pas d'énergie. Mais des fois, c'est comme un petit peu partir la machine, là. Une fois que c'est parti, après ça, ah ben, on se rend compte qu'on a fait 20 minutes, 30 minutes. Puis qu'au lieu de se sentir plus fatigué, ça nous a donné un petit peu d'énergie. Des fois, ça peut faire ça, d'autres fois, non. Mais il faut que ça rentre dans votre routine pour que vous arriviez à faire quelque chose, parce que c'est très frustrant, puis ça demande l'énergie, la frustration, là.
C'est très frustrant de vouloir créer, d'être prête, mais de jamais passer à l'action. Donc, je vous invite à faire quelque chose de facile aujourd'hui. Alors, toutes mes pièces, j'ai fait mes devoirs. Moi aussi, je coupe ça en plusieurs étapes. Donc, j'ai mes bases de cartes. J'ai mes papiers, mes cartons sur lesquels je vais aller tamper. J'ai mes boucles qui sont déjà faites. Ici, on va partir d'une feuille pour faire nos quatre cartes. Et habituellement, c'est populaire quand je fais une feuille, quatre cartes ou une feuille, huit cartes. Et puis, on étend toute une feuille, on la coupe. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire changement. Donc, ce qu'on va faire, on va aller couper notre feuille en quatre parties dès le départ. Donc, de 4 pouces par 5 et quart, ce qui va nous faire nos pièces. Ça va comme faire notre papier design maison avec les tempes hardwood, OK? Donc, je veux vous donner des petits trucs quand vous utilisez des étampes d'arrière-plan. Et c'est ce que je m'en vais faire dans quelques secondes. Donc, voici. Alors, pour aller mon papier, pardon, cartonné vert olive, j'ai décidé de prendre pépite de chocolat. Parce qu'il y a une belle profondeur, je trouve. Et là, il y en a comme quand moi j'ai commencé, je prenais ma grosse étampe puis j'allais la porter par-dessus. Chose encore plus simple, vous allez venir la déposer dessus. Et là, vous allez vous prendre un papier brouillon. Comme ça. Oups! Oh non, j'ai bougé là! Parce que j'ai vu... Oh, je pensais qu'il y avait un numéro de téléphone parce que c'est vraiment un papier brouillon puis je voulais pas que le... Alors, on frotte comme ça. Comme ça, ce qui est autour, ça salit pas nos mains. Ça s'en vient sur le papier brouillon. Regardez ce que ça a donné. Donc, ça me fait, en 5 minutes, un papier design maison. Et vous pouvez parfois appuyer plus à certains endroits et éviter d'autres zones pour créer des effets. Je pourrais vous montrer là, ce que je veux dire. J'appuierai pas partout. Ça me donne un effet comme ça. Des fois, ça peut être intéressant. Alors, ce que je fais ensuite, je prends une éponge à estampage et je vais venir récupérer mon encre qui reste autour. C'est un petit truc, ça. Ensuite de ça, je vais venir ancrer à l'éponge les contours. Vous allez voir, ça change beaucoup. Alors, une fois que ça c'est complété, on va aller faire notre estampage. Alors, comme je le disais, le jeu bouquet de houx, il est en 5 étapes pour ce motif-là et en 4 étapes pour les plus petits ici. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir de la facilité à vous retrouver parce que vous avez un A, un B, un C, un D, un E, un F et 2 A, 2 B, 2 C, 2 D. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, on va commencer par aller ouvrir nos tampons d'encre. Alors ici, j'ai vraiment été chercher une teinte plus pâle, une teinte plus foncée. Habituellement, ce que je fais, c'est que j'utilise seulement une teinte et je vais étamper une fois sur mon brouillon pour avoir une teinte plus pâle. Vous êtes habitués de me voir faire ça. Là, je voulais apporter une touche nouvelle, différente. Alors, quand vous n'avez pas beaucoup d'énergie, de procéder de cette façon-là, ou pas beaucoup de temps, ou je pense qu'il y a beaucoup de mamans là, qui m'écoutent. Là. C'est pas tout le temps facile avec des jeunes enfants, mais il faut trouver du temps un peu pour vous parce que c'est essentiel à votre bien-être. Alors, je commence avec la première étampe dans Limonade à la limette. Et cette belle couleur-là, c'est vraiment le fun parce qu'elle nous permet d'apporter une nouvelle touche à Noël, je trouve, une touche plus dynamique avec ce vert jaune. Donc, pourquoi s'en passer? Alors, en étampant à plusieurs copies à la fois comme ça, ça nous sauve beaucoup de temps.
Ici, vous pouvez prendre le temps vraiment d'aller vous positionner. Et c'est super beau, la superposition, là. Ça, c'est une étampe là, que vraiment, ils ont fait des efforts pour que ce soit très, très réaliste, le look final. Là, moi, je ne suis pas tout à fait au-dessus, là, parce que je peux pas mettre ma tête au-dessus de la caméra, vous allez me voir. Ça pourrait être mieux encore. Imaginez quand c'est vous qui allez le faire. Donc, ensuite, on est rendu au baies. Donc, les baies, vous allez voir, c'est où est-ce qu'il y a des trous. Alors, là, j'ai pas le choix de m'approcher parce que je pourrais vraiment pas voir comme il faut ce que je fais. Alors, c'est comme ça. Je suis pas tout à fait dedans, là, mais je vais pas vous cacher la vue, comme je disais tantôt. C'est vraiment beau. L'autre étape suivante, j'ai décidé d'y aller dans cerise carmin. Mais si vous voulez garder ça plus vif, restez avec rouge rouge puis allez superposer votre autre étampe par-dessus. Ça va quand même donner de la profondeur, même si c'est la même couleur. Voyez-vous, je tremblote, hein? Je tremble beaucoup. Donc, il y a de l'espoir pour les personnes qui ne sont pas en santé. Je suis l'exemple parfait qu'on peut réussir à bricoler puis avoir du plaisir, même quand on ne file pas. Donc là, j'ai fini pour mon rouge rouge. Limonade à la limette aussi, je vais le serrer. Je vais garder mon verre parce que je vais aller ancrer un petit peu mes contours. Donc, j'y vais avec pépites de chocolat pour la petite branche. Et là, elle est en deux étapes, mais je vous dirais que moi, je prends juste la dernière puis je vois pas beaucoup de différence. Donc, il faut aller mettre les petits bouts, c'est comme les petits bouts de branches, là. Quand on a des trous dans les baies, vous allez le voir en le faisant. Ça, c'est vraiment un jeu qui a capté mon œil. Et je me propose d'aller faire du beau papier, mon papier design avec ça. Vous allez dire, ça va être long. Ça va probablement être long remplir une feuille. Pas si pire, mais quand c'est notre moment zen de la journée, moi, je vois pas de problème avec ça. Donc, justement, c'est un avantage. Pas besoin de se payer des grosses vacances pour s'amuser. Alors là, je fais le tour de mes quatre pièces. Voyez-vous, avec cette étape-là, si vous en avez assez pour la journée, ça peut peut-être vous avoir pris, je sais pas, moi, 15 minutes en tout. Exactement ça. Alors, vous pouvez mettre ça de côté et demain ou un autre moment où vous vous sentirez en forme et que vous aurez un petit peu de temps, eh bien, il vous restera juste à monter vos cartes. Donc, il faut calculer peut-être un autre petit 15 minutes, mais vous allez avoir eu la possibilité d'utiliser les produits que vous achetez, hein? C'est important, de les rentabiliser, puis de vous payer un bon petit moment créatif qui va vous permettre ensuite de faire plaisir aux gens autour de vous. Alors là, c'est fini pour l'estampage. Quand on a toutes nos choses réunies et prêtes comme ça, n'est-ce pas qu'on a le goût de bricoler? On sait qu'il nous reste juste à faire du montage. C'est pas quelque chose qui demande de l'énergie vraiment. C'est moi, parfois même, ça va me permettre, quand je suis incapable d'écouter la télé ou d'écouter de la musique parce que ça file pas, ben des fois de m'en aller comme ça, juste faire du montage, du collage, c'est ce qui va me permettre d'avoir eu un petit moment à moi dans ma journée. Donc, je sais que je ne suis pas la seule à vivre avec de la douleur chronique et de la fatigue chronique. Alors, les mamans qui écoutent, les travailleuses qui me disent que je suis trop fatiguée, je ne peux pas bricoler, essayez ce petit truc-là. Alors voilà, c'est fait. Je monte ça sur ma base de cartes. J'aurais pu la monter. Je voulais la monter à un moment donné, deux dans un sens et deux dans l'autre. Mais finalement, je trouvais ça plus joli, soit de centrer ou bien de venir poser ça plus dans un coin.
si mon vœu avait été un demi centimètre plus court, ce que j'aurais pu faire, c'est vraiment venir couper ici en ligne droite pour venir faire comme une bannière comme ça. Alors, si vous voulez le faire un peu plus petit, ça sera une option pour vous. Voilà, je suis prête à faire mes petites touches de finition qui sont d'aller rapidement avec mes points de colle. Je vais coller mes éléments. Oups! Bon. Je viens de le briser. Et ça va m'en faire deux. Je trouve que ça va mieux les coller avant de mettre les boucles. Regardez les étoiles aussi. Ça, ce sont les ornements, les joies de l'hiver. C'est super beau. Alors là, je vais y aller. Je vais simplement coller par-dessus ma boucle. Ça fait le petit détail là, qui fait comme « wow » ces ornements-là. Il faut que vous en trouviez un. Ça vient vraiment compléter la carte. Ça donne un esprit encore plus festif, encore plus luxueux, je dirais même. Alors voilà. Si vous voulez encore pousser plus loin, vous allez garnir avec des diamants resplendissants et votre colle, la colle de précision. Donc, ça va donner ceci. Regardez si c'est beau. De toute beauté. Alors, c'est une façon d'aller faire des cartes de façon économique, mais aussi en respectant votre rythme de vie, en respectant votre énergie. Alors, j'espère que ça vous a aidé beaucoup. Et puis, s'il vous plaît, si ça vous intéresse de me soutenir, partagez cette vidéo-là juste en bas ici à vos amis. Bonne journée!